以前台湾的同志全部在地下室，属于地下文化。那有这个地方之后呢，大家就从地下室全部都到楼上来了，很棒，很棒。对，像这一本白新勇老师的《孽子》，OK， 对，这是要了解台湾的同志文化发展还有文学，一定要念的。哇，这个蛋糕也太快了吧！里面有紫地瓜，还有一些番茄、南瓜。嗯，你看对了 ，fresh， 是红烧。Oh my god, mais regardez moi ces belles filles, ces belles racines, elles sont trop belles. Waouh! 害羞害羞。Bonjour, je m'appelle Henry, je viens de France et je fais partie du groupe Pilgrimage Formosa. Cette fois-ci, le groupe Pilgrimage Formosa a réuni 8 touristes de différents pays pour découvrir la magnifique culture taïwanaise. J'habite à Taïwan depuis plus de 6 ans. Taïwan est un lieu de liberté et de démocratie. La tolérance qui y règne y fait bon vivre. Étant moi-même gay, je me souviens encore de l'excitation et de l'émotion lorsque je suis venu pour la première fois à Taïwan pour participer à la Gay Pride. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître ce magnifique pays où il flotte librement le drapeau arc-en-ciel. Taïwan est le premier pays d'Asie à légaliser le mariage homosexuel. Et selon les enquêtes, c'est également l'endroit le plus convivial pour les voyageurs LGBTQ. Je suis surpris d'apprendre qu'il y a plus de 20 ans, il y avait des librairies gays à Taïwan. Nous sommes en 1999, La librairie Jing Jing fut la première librairie gay à Taïwan. Le gérant du magasin a déclaré qu'à cette époque, la culture gay à Taïwan n'était pas aussi présente et acceptée, même dans le milieu gay. Un groupe d'amis partageant les mêmes idées ont donc décidé de créer cette librairie pour offrir un espace intime permettant d'apprendre davantage sur la culture gay. Mais l'acceptation au début fut difficile, ils ont dû rencontrer quelques embûches et certaines protestations. Quand on a ouvert la librairie, beaucoup de voisins ou de voisins ne sont pas très 或者是会有一些保守团体可能会来抗议，所以那时候我真的很辛苦，是不是？可是如果怕辛苦就不要来做啦。所以我们就是大家有志一同，觉得有一个热情来做这样。而且现在其实很多邻居都非常喜欢我们，然后我们也变成好邻居，会互相照顾这样子。这个是最棒，这是为什么我喜欢台湾。Le directeur du magasin a déclaré que la librairie Jing Jing était la première étape pour de nombreux homosexuels taïwanais.Surtout dans les premières années, l'information n'était pas aussi développée et beaucoup de gens ne savaient même pas où aller pour obtenir de l'aide. Beaucoup de personnes sont venues à la librairie Jing Jing non seulement pour trouver des livres, mais aussi pour se retrouver en quête de reconnaissance. 那我觉得来到这边其实就是感受一个很开放、自由的空间。所以有时候我也会看到有的客人来就是非常的开心，然后就拥吻啊。那我看到的话就会觉得很幸福，然后很替他们开心，然后感受那个爱与自由的空气。En tant que librairie gay, Jing Jing Bookstore a soigneusement sélectionné de nombreuses œuvres gays, de la littérature et bien sûr quelques magazines et bandes dessinées réservées aux adultes. Un endroit idéal pour venir dénicher des trésors. 像你来台湾，这一本白新勇老师的《孽子》，OK， 对，这是要了解台湾的同志文化发展还有文学，一定要念的。Ce livre, Crystal Boys, est publié depuis les années 1940.C'est un classique de la littérature gay taïwanaise. Il décrit l'histoire d'un adolescent gay dans les années 1970. Il y a une scène très importante à Taipei New Park, qui est maintenant le 228 Peace Memorial Park. Taipei a toujours été connue comme une ville gay-friendly. Mais il y a un endroit bien connu, un repère clé pour la communauté gay. C'est la Red House à Ximending.À Ximen, Red House est un bâtiment de briques rouges très élégant, un site historique de la ville de Taipei. Mais lorsque la nuit tombe, la cour arrière se transforme pour vous laisser entrer dans un monde féerique comme Alice au Pays des Merveilles. Il y a toute une rangée de restaurants, de pubs avec terrasses et un drapeau arc-en-ciel géant accroché dans l'arrière-cour. 以前台湾的同志全部在地下室，属于地下文化，比如说像 gay bar 啦，什么地方玩的，外面的人都不知道同志。那有这个地方之后呢，大家就从地下室全部都到楼上来啦，很棒，很棒。对，那也是因为这一区让很多人知道同志。Monsieur Charles dirige un restaurant bien connu de la Red House. Il m'a raconté que cet endroit était à l'origine un ancien marché.
il y a 18 ans, le premier magasin gay s'y est installé. Et petit à petit, le quartier est devenu un lieu où la communauté gay s'y sentait bien. Avec cette grande cour intérieure et protégée, elle offre un espace intime pour la communauté gay. Avec les efforts conjoints des propriétaires de magasins, cet endroit est passé d'un coin sombre à un espace en plein air, joyeux et convivial. C'est un lieu très touristique et apprécié de nos nombreux amis étrangers. 那这边呢，有卖衣服的，有卖日常用品的，有剪头发的，有做餐厅的，有做小吃的，有做喝的，然后也有非同志。 Monsieur Xiao a dit que la Red House est maintenant devenue un lieu touristique important dans la ville. Des personnes de tout âge, de tout sexe, homosexuelles ou non, viennent ici pour faire du shopping et prendre un verre. Mais son plus grand souhait est de retirer ce grand drapeau dans la cour. Exactly. En plus du quartier commerçant de Honglo, il existe également de nombreuses entreprises gay-friendly dans le quartier voisin de Ximending. Aujourd'hui, je vais essayer un dessert très très gay. Wow, ce gâteau en arc-en-ciel est trop beau. Et le patron a dit que les couleurs du gâteau proviennent de légumes et de fruits naturels. Il est vraiment très bon. On sent tout le parfum des fruits qu'il y a à l'intérieur. J'adore. Il est vraiment léger, pas trop sucré, ce gâteau parfait. On dirait de la fraise. C'est bon ça. Et pour le mois de la Gay Pride de Taïwan, il a également créé une pizza en arc-en-ciel en édition illimitée. C'est vraiment délicieux. Vraiment, une pizza rainbow. Il n'y a qu'à Taïwan qu'on peut trouver ça. Chaque mois d'octobre est le mois de la fierté gay à Taïwan. Parce que la Gay Pride de Taïwan a lieu le dernier week-end d'octobre, il y aura diverses activités tout au long de ce mois. Je vais participer à un tour guidé organisé par la ville de Taipei, The Rainbow Sightseeing Bus Tour. Wow, regardez, on est arrivé au Rainbow Bus. Aujourd'hui, on va faire un tour de la ville en bus. Let's go! Bonjour! Hello! Merci! Thank you! Go on upstairs, welcome aboard! Let's go! Ce bus touristique a non seulement une apparence arc-en-ciel, mais invite également les drag queens à être les guides touristiques. 西八红楼呢，是我们日治时期的建筑，是1908年建立的。它也是一些戏曲的一个展演空间。En plus de profiter du paysage urbain de Taipei, il présentera également les célèbres monuments de la ville de Taipei. Vous apportons un joyeux voyage. 这是我第三年接这个观光巴士的导览，就是让更多的民众去认识台北有同志历史的一些商店，或者是景点，或者是一些故事。 Chaque mois d'octobre, une semaine avant la Taiwan Gay Pride, il y a un événement appelé Rainbow Ride. À 6h30 du matin, de nombreuses personnes se retrouvent devant la Red House et chacun apporte son vélo pour participer à l'événement. Taiwan is the leading country in Asia in terms of LGBT rights and as marriage equality. And Taiwan is a huge cycling hub. Yeah. So it's really just bringing these two things together and having fun. It's amazing. Yeah. Lisa a déclaré qu'elle aimait beaucoup le sport en plein air et le vélo. Après son arrivée à Taïwan, elle a découvert que Taïwan avait de magnifiques paysages et appropriés pour de belles randonnées à vélo. Elle a donc lancé cet événement, Rainbow Ride, avec sa partenaire et ses amis, permettant à la communauté gay de se retrouver tous ensemble pour un beau voyage. And how many people of you are doing this? So this year it's 108. Our first year was just 35. So every year wow. We're really growing. That's amazing. Yeah. Cette année est la troisième session de la Rainbow Ride. Elle se déroule pendant 3 jours et 2 nuits autour de la partie nord-est de Taïwan avec un aller-retour d'environ 229 km. Cependant, j'ai raté l'heure d'inscription cette année. Donc je ne peux être ici que pour vous soutenir. Comme on dit ici, Jayo! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on est à Taipei City Hall. Déjà 20 ans que la Gay Pride existe à Taïwan. Et regardez, il pleut. Mais regardez tout le monde qu'il y a, c'est génial. Let's go to the Gay Pride. Regardez tout le monde qu'il y a et les drapeaux arc-en-ciel flottés de partout. Oui, aujourd'hui c'est la Gay Pride à Taïwan.
la Gay Pride Ottawa fête cette année la 20e édition. En 2019, le nombre de participants avait atteint 200 000. Il s'agit de la plus grande parade gay d'Asie de l'Est. Bien qu'ils peuvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes réunies. Tout le monde a mis du cœur pour trouver sa plus belle tenue. Pas seulement des hommes musclés, mais aussi des personnes créatives et artistiques. Beaucoup de personnes sont déguisées pour y assister. Tout le monde est très heureux. Mais le défilé gay n'est pas seulement une fête de carnaval. Il y a son thème chaque année et permet à toutes les communautés gays de descendre dans la rue tous ensemble. 我们今年的主题是无限性结构框架性别无限，那英文是 an unlimited future. Le thème de la Gay Pride cette année est l'infini, et j'espère que le public pourra y voir, comprendre et respecter l'infini, l'infini de chacun, libérer le cadre existant de diverses limitations et oppressions, avancer vers une société ouverte. Et j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer l'un des pionniers du mouvement gay à Taïwan, Monsieur Chi Jiawei. Il est la force motrice très importante derrière la légalisation du mariage homosexuel à Taïwan. Taïwan adopte une loi en 2019 qui le rend le premier pays d'Asie à légaliser le mariage homosexuel. Cela fait déjà 30 ans que grâce à de nombreuses personnes de tout horizon, comme Monsieur Chi Jiawei, des associations et des législateurs, qui en communiquant avec l'ensemble de la société et un travail considérable, ont obtenu le droit pour les personnes de même sexe de se marier. Je me souviens encore de cette année où Taïwan légalisait le mariage homosexuel. Étant étranger, je ne pouvais pas voter pour sa légalisation, mais j'ai soutenu mon pays, Taïwan, en marchant dans la rue, lors de la Gay Pride ou sur les réseaux sociaux. J'étais si ému lors de la légalisation, ce qui confirmait encore plus mon envie d'habiter dans ce beau pays. Je me souviens encore, la première fois que je suis venu à Taïwan participer à la Gay Pride, il y a plus de 7 ans. J'étais surpris et ému, étonné par une si grande Gay Pride. Ému par la gentillesse des gens, qu'ils soient gays ou non. Bien qu'il ne fasse pas beau aujourd'hui et qu'il pleut beaucoup, plus de 120 000 personnes sont présentes. Merci à tous nos amis étrangers qui sont venus nous rejoindre. Bravo Taïwan et merci. La Gay Pride de cette année a réuni beaucoup de personnes de Taïwan et du monde entier. Nous devons célébrer ça ce soir. Après la défilée de chaque année, The Red House est devenu un théâtre, un lieu de fête. Le spectacle principal de cette année à The Red House a été interprété par une drag queen dirigée par Elvin. Alors que Elvin est en train de se maquiller, je suis venu discuter avec lui. Elvin a déclaré qu'enfant, il était un peu efféminé et souvent intimidé par ses pairs. Il a donc toujours essayé de se donner un côté beaucoup plus masculin, mais la petite fille en lui a toujours été présente. Plus tard, il a eu la chance d'être enfin mis en drag, ce qui lui a rendu si heureux et se sentir bien et libéré. Oh my god! 就是你，你怎么变得那么漂亮呢？漂亮吗？很漂亮嘞，我都没有办法忍着你。对啊，又要就是要这样让人家认不出。Oh my god! Wow, Elvin est si belle maintenant, complètement différente. J'ai vraiment hâte de voir les autres. Vous êtes tous heureux? Happy Pride, everybody! We're gonna start soon. We're gonna start with the first set. All the queens lined up. Right, so we're gonna kick off the show. En tant que personne gay, habitant à Taïwan, je suis tellement heureux de pouvoir profiter de cette liberté de m'exprimer librement et d'être vraiment qui je suis. J'espère que vous aussi, vous auriez la chance de venir à Taïwan
et d'être aussi heureux que moi. Welcome to Taiwan.